Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. Je m'appelle Alexis Joanneau, je suis entrepreneur et menteur d'ambition. Et aujourd'hui, j'ai fait le choix de vous parler pour cette première vidéo d'un point qui me tient vraiment à cœur. C'est le fait d'être en capacité de changer sa vie, de transformer sa vie pleinement. Pour ça, je vais vous parler de trois points que vous devez mettre en place pour avancer et surtout structurer votre esprit. Le premier point que vous devez mettre en place, c'est de savoir exactement qui vous voulez être. Qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez devenir pour les prochaines années? Pourquoi? Parce que ça va clarifier dans votre esprit clairement quel angle d'attaque vous devez avoir. Vous devez être au clair avec qui vous voulez être. Arrêtez de vous cacher derrière les opinions des autres. Vous valez 10 fois mieux que ça. Prenez votre carnet et écrivez cette première question. Qui est-ce que je veux devenir pour les prochaines années? Et soyez honnête avec vous. On n'est pas là pour vous juger, on est là pour vous faire avancer. Donc maintenant, prenez votre carnet et écrivez cette question. Et vous y répondrez à la fin. Il est clair que ce n'est pas forcément simple. Ce n'est pas simple de répondre à cette question. Mais c'est certainement celle qui va vous changer la vie. Beaucoup de personnes ont des difficultés à avancer dans la vie parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Je veux un peu de ci, je veux un peu de ça. Non, soyez honnête avec vous, soyez ambitieux, peu importe l'ambition que vous avez. Qu'elle soit petite ou grande, on s'en moque. Changer votre vie, ça part de là. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Soyez honnête avec vous et surtout, voyez grand. Arrêtons d'être au plus bas pour ne pas faire de remous, pour ne pas faire de vagues. Arrêtons ça, croyez en vous et notez clairement qui vous voulez être. Ça va vous aider. Ça va vous aider parce que ça va vous soulager d'être en mesure de le mettre sur le papier. Et le fait de le mettre sur le papier, de l'écrire, ça va incrémenter dans votre tête la possibilité que ça peut avoir lieu un jour. Et ça sera le cas. Le deuxième point que vous devez également noter et ensuite répondre à ce point-là à la fin de cette vidéo, c'est quels sont vos pourquoi? Pourquoi vous voulez cette vie? Pourquoi vous voulez devenir cette personne? Pourquoi vous voulez ça? C'est pas un point de jugement non plus, simplement ça va être un guide pour vous. Vous allez rencontrer des difficultés, donc comme dans tout projet, et c'est pas grave. Simplement, il faut savoir se raccrocher à des éléments. Des fois, on se raccroche aux personnes qui nous entourent, parce qu'ils sont là pour nous supporter, nous aider. Et surtout, vous, regardez et notez vos pourquoi. Vos pourquoi, c'est l'élément central qui va faire que, lorsque vous avez un moment difficile, vous les réalisez et vous dites « Ah ouais, j'en suis là pour ça. » Parce que j'ai envie de devenir le plus grand entrepreneur. Parce que j'ai envie d'avoir une vie de couple épanouie. Parce que j'ai envie d'offrir à mes enfants la possibilité de vivre à la campagne dans un air pur. Parce que j'ai envie d'offrir à mes enfants la possibilité de découvrir une nouvelle culture, c'est pour ça qu'on part en tour du monde. Peu importe, simplement, vos pourquoi feront que vous n'abandonnerez pas. L'abandon n'est pas une option. Donc, gardez vos pourquoi en tête, notez-les sur votre carnet. Il peut y en avoir 1, 2 ou 10, c'est pas grave, c'est les vôtres. C'est ça le plus important, c'est que c'est pourquoi, ce sont les vôtres. Le dernier point très très important pour vous, c'est surtout, vous ne laissez personne vous dire que vous ne réussirez pas. Vous ne laissez personne faire en sorte que vous ne réussirez pas. Le regard des autres, la particularité du regard des autres, c'est qu'ils nous parlent avec leurs filtres, avec leurs expériences. Il y a peut-être des personnes qui vont vous dire que votre projet, il est infaisable. C'est pas possible. Mais peut-être pour eux, peut-être parce qu'eux, ils ont vécu des expériences, ils se sont dit que c'était pas possible. Est-ce que vous avez vécu la même chose qu'eux? Non. Alors allez-y, si vous voulez y arriver, allez-y. Et surtout, le regard des autres, vous les laissez de côté. Je dis pas que ça va être simple, parce que le regard des autres, c'est quelque chose qui est tout le temps présent. Et je sais de quoi je parle, clairement. Simplement, en laissant de côté le regard des autres, vous laissez aussi tous les aspects négatifs que les gens vont vouloir faire ressortir. Les personnes qui croient en votre projet, vous allez le sentir. Soit ils vont rien vous dire, soit ils vont vous dire « fonce ». C'est tout. Fonce. Le seul mot qu'ils vont vous dire. Vas-y, fonce. Les personnes qui ont peur pour vous,
les personnes qui ont peur pour eux vous diront que c'est impossible. Et bien toutes ces personnes-là, vous ne les écoutez pas. Restez focus sur vos objectifs et vous allez réussir. Peut-être que ça prendra un petit peu plus de temps, mais c'est pas grave, persévérez, continuez d'avancer. Si un jour vous avancez que d'un petit pas, c'est pas grave, demain vous avancerez peut-être de deux. Voilà, c'était vraiment les trois points centraux qu'il va falloir que vous gardiez en tête tout le temps. Qui est-ce que je veux devenir? Vraiment, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et sans modération, vraiment, croyez en vous. Vous pouvez transformer votre vie avec ces trois points. Le deuxième point, c'est quels sont mes pourquoi? Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'agis? Pourquoi aujourd'hui j'en suis là? Pourquoi je veux arriver là-bas? Le troisième point, c'est de laisser le regard des autres de côté. Je ne dis pas qu'il est tout le temps négatif et c'est pas mon discours. Simplement, les gens nous parlent avec leurs filtres, avec leurs lunettes. Nos parents vont nous parler avec peut-être la peur qu'il nous arrive quelque chose. Et c'est normal. Est-ce qu'il nous sert à quelque chose? Non, pas sur le moment. Hormis nous prouver l'amour de nos parents, c'est tout. Donc avancez, croyez dans vos rêves, vraiment vous pouvez réussir. Vous pouvez transformer votre vie et atteindre des sommets que vous n'avez jamais imaginés. Faites casser ce plafond de verre qui est juste au-dessous de vous et avancez. Pour ça, cette vidéo j'espère qu'elle vous aidera. Et surtout, gardez en tête, formez-vous. Lisez, peu importe qui, je me moque de ça. Lisez des livres qui peuvent vous aider et vous inspirer. Regardez d'autres vidéos. Allez suivre des séminaires, des webinaires. Achetez des programmes de formation pour vous former, pour vous entraîner. Vraiment, et vous allez vous rendre compte que finalement, en faisant tout ça, vous allez atteindre des sommets que vous n'allez jamais imaginer. Je ne dis pas que c'est simple et ce n'est pas mon discours. Simplement, vous pouvez atteindre n'importe quel but avec d'abord ces trois premières questions et avec l'envie et une énergie débordante. Pour avoir de l'énergie, il faut savoir pourquoi on fait ça. Il faut savoir où est-ce qu'on veut aller. Et surtout, il ne faut pas se laisser dévier par le regard des autres. Il y a des personnes qui vous critiqueront, oui. Mais les personnes qui font rien ne sont pas critiquables. Alors, ce n'est pas un discours négatif que je suis en train de vous dire, c'est un état réel. Avancez, croyez en vous et vous pourrez transformer votre vie. Voilà, merci pour avoir suivi cette première vidéo sur cette page YouTube. Donc je vous rappelle, je m'appelle Alexis Joanneau, je suis entrepreneur et mentor d'ambition pour toutes les personnes qui ont envie de changer leur vie. Mon but à moi, c'est de vous apporter, faire en sorte que vous puissiez avancer et que vous puissiez vous épanouir, atteindre vos ambitions, atteindre vos réussites, peu importe le niveau. Voilà, à bientôt.